Eh bien, salut tout le monde, c'est Kana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda Link's Awakening DX sur Game Boy Color, toujours en compagnie de Mich80. Salut tout le monde, salut à toi Kana. Salut Mich. Alors, ouais, c'est la deuxième fois qu'on capture cet épisode parce que l'autre fois, en fait, j'avais complètement oublié d'enregistrer. Comme Donc un on a fait gland. une bonne demi-heure dans le vide quand même. Ouais. Autant dire que c'était pas cool du tout. Ouais, du coup c'est la revanche du temps Ouais, cette fois-ci on va voilà. dire. Donc on était entré dans le... On a fait le marais des anémones et nous voici donc dans la temple, la caverne du génie. C'est ça, et en anglais c'est comment C'était déjà? la Bottle Cave, Ah, Bottle Cave, ouais, voilà. qui en fait pas forcément référence à la bouteille, mais au récipient. Et on voit déjà que d'entrée, il y a des récipients, et on comprendra pourquoi ce nom, et pourquoi en français le génie, on le comprendra aussi plus tard. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, quand on aura la carte, on verra que le donjon a la forme d'une bouteille, en fait. Exactement, c'est une des raisons pour lesquelles ça s'appelle la Bottle Cave. Donc, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, on voit un coffre qui est piégé derrière des pots, enfin des jarres. On pourrait deviner directement quel sera l'item du donjon, en fait. On peut le supposer, Ouais. mais on peut aussi se dire que dans le donjon 1, il y avait une fissure contre un mur et on n'a Ouais. pas forcément récupéré des bombes. Exactement, ouais. Donc on pourrait se dire en fait qu'il faudrait revenir plus tard pour récupérer ce coffre. Enfin, C'est une on verra possibilité, oui. cela. Donc du coup, on se retrouve dans une pièce en noir. Enfin, noir, on y voit quand même beaucoup. Enfin, on y voit quand même assez bien. Et dans l'épisode d'avant, j'avais dit aussi que comme je suis sur émulateur, on voit très bien la pièce et que si on était sur Game Boy Color, on verrait rien du tout en fait. Et encore moins sur la Game Boy Standard, parce que Color, Ouais. vraiment, il assombrissait les couleurs, donc on avait une certaine visibilité. Tandis que sur la version Game Boy de base, étant donné qu'il n'y a que 4 couleurs, il était obligé d'assombrir le jeu, et en fait, on était vraiment dans le noir complet. À la base, c'était du noir complet. Ouais. Sauf le monstre qui tournicote dans la Ouais, pièce. voilà. Celui-là, je me rappelle qu'on le voyait bien, mais je me rappelle aussi normalement que les deux portes qu'on voit, on les voyait pas du tout non plus. On devinait pas qu'il y avait des portes à gauche ou à droite, je crois. Enfin, la Ou seule chose qu'on peut-être. devinait, c'était qu'il y avait des pots au centre, et qui sont éteints, évidemment. Ouais, voilà. Donc du coup, on se souvient que quand on avait été dans la boutique de sirop, il y avait un de ces trucs comme ça qu'on pouvait allumer avec Exactement. la poudre. Et ben, on va faire pareil. C'est un peu D'ailleurs, on disait à chaque fois l'énigme. que tu peux tester ta poudre n'importe où. Voilà. Exactement. Donc du coup, forcément, on n'a pas de clé, donc on peut pas aller à gauche. On voit donc que la poudre remplace la lanterne qui était présente dans Link to the Past, Ouais, aussi. exact. Bon, je récupère une petite clé. On va tout de suite aller à gauche, on n'a pas besoin de le faire en soi-même. Oh, Bon, c'est effectivement, annexe. alors dans ce donjon, il y a beaucoup de pièces qui servent à rien, mais finalement, si tu veux montrer toutes les pièces, autant les visiter, quoi. Ouais, Enfin, voilà. la première fois que tu fais le jeu, généralement, tu retournes à gauche. Donc là, dans le noir, en fait, la seule. On arrive à voir les chauves-souris, mais grâce à leurs yeux, en fait. Alors que normalement, elles sont vraiment entièrement Ouais. invisibles. Une fois de plus, l'émulateur y est pour beaucoup sur la visibilité. Ouais. Alors, j'avais fait une erreur sur la dernière vidéo. Enfin, non, pas une erreur. On cherchait, tu te souviens, le nom de cet ennemi qui se balade. Ah ouais. Et en fait, il s'appelle Hard Hat Beetle en anglais. Ah ok. En français, on pourrait le traduire par le scarabée à chapeau, à tête dure. Voilà pour le nom de l'ennemi. Ouais. Ah bon, c'est un peu un nom à coucher debout, on va dire, et Oui, dormir. c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été traduit en Ouais, français. voilà. Il y a de grandes chances, on va dire. En C'est tout vrai cas, j'ai quand même pas que. trouvé le nom en français. C'est vrai que des fois les noms des ennemis sont très très un peu chelous, enfin assez difficile à se rappeler quand même. Ah, Pas non bah là, plus. t'auras pas assez de poudre pour aller Ah à ouais. droite, tiens. Ah c'est vrai. Ça c'est un détail aussi. Alors du coup, je sais pas si. Alors ça, c'est gênant, ça ne s'était pas arrivé l'autre fois. Non, j'avais pas utilisé autant de poudre l'autre fois aussi. Alors, est-ce que les ennemis peuvent t'en donner? Parce que bon, généralement, il y en a dans les pots, mais le problème, c'est que tu peux pas Non, encore je les crois lever à ce pas que stade ça de jeu. me. Je crois pas me rappeler quand même que y ait de la poudre dans les ennemis. Ouais, Donc je du crois que tu coup, vas être c'est un obligé de peu le. sortir. Soit faire réapparaître des ennemis, ou soit aller chercher de la poudre. T'en as soit Ouais, avec le le tapis roulant, bazar soit dans dans le le bazar, village. ou soit tu vas récupérer un champignon à nouveau. Alors ça, c'est un. Ah, c'est. Je me souvenais pas qu'on avait cette difficulté.
Moi non plus. Ouais, bah, comme ça au moins. Bah, du coup, je vais faire une petite ellipse parce que je vais pas non plus. En fait, je pense que je vais aller en rechercher au bazar du village. Au village des mouettes, voilà. Mm-hmm. Ça va être. Ça va être fait. Je ferai gaffe à l'avenir, hein. Voilà. Voilà. Mais effectivement, quand on connaît le jeu, on sait directement où aller, ce qui fait qu'on n'a pas de problème de poudre. Mais maintenant que j'y pense, la première fois que j'ai fait le jeu, c'est vrai que j'ai peut-être rencontré le même problème. Alors, ouais. Ça peut arriver que je crois que les ennemis ou les ou dans les hautes herbes, tu peux en avoir, mais c'est rare. Ah non, ça m'est jamais arrivé. Je me rappelle pas avoir eu de la poudre une fois dans les herbes ou quoi que ce soit. D'accord. Alors non, tu seras bien obligé de retourner en chercher. Ah ça, c'est vraiment pas du tout prévu. Ça, je m'attendais pas à ce que... Surtout qu'on est limité en stock de poudre et que voilà quoi, on peut pas, y a pas d'autre moyen de récupérer encore à ce stade de jeu. Et là, il y avait pas le choix, il fallait allumer deux torches pour pouvoir aller à droite. Hein. C'était obligatoire. Donc du coup, j'ai dit que je faisais une ellipse, mais finalement, j'en fais pas quoi. C'est, voilà. D'accord. Ouais. Donc une ellipse, tu disais faire une coupure. Ouais, ouais, une coupure. Oh, tu peux en faire une au pire. On se retrouve à l'entrée des marais. Ouais, voilà. Bon bah voilà, se retrouve dans la salle en question. Et du coup, je vais faire gaffe au niveau de la poudre. Qu'est-ce que t'allais dire, Mich ? Je disais, on peut dire que t'as pas eu de peau. Ouais. Ça, et c'est moins qu'on puisse dire. Donc, forcément, j'ai pas de clé. Pas encore. Mais ça va venir. Alors, une fois de plus, je vois que t'as évité le fragment de force. Ouais. Bah, faut dire que voilà, j'avais pas envie d'entendre la musique. Donc, du coup, il y a une petite astuce ici. Parce que normalement, les ennemis qu'on voit, il faut les buter de l'autre côté, il faut faire tout le tour. Il faut passer par en bas et faire le tour. Buter les ennemis et mimétisent nos mouvements. Après, revenir ici, récupérer une clé. Mais sauf que les ennemis, si on les fait se rejoindre, on peut les buter à travers les blocs. C'est un petit détail. D'ailleurs, t'avais fait un parallèle qui te rappelait les Goria dans Link to the Past. Les ennemis qui faisaient les mêmes mouvements que toi. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Je t'avais dit ça, ouais. Et tu m'avais dit que c'était pas tout à fait les mêmes ennemis. Quoi. Alors, techniquement, c'est les mêmes, étant donné qu'ils mimétisent tes gestes. Par contre, le design vient des masques de Super Mario. La petite clé. Magnifique. Donc du coup, je vais encore aller dans l'autre salle qui n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire d'y aller. Ah, tu te fais avoir à chaque fois avec les interrupteurs. J'oublie à chaque fois qu'il faut toujours activer plusieurs fois. Mais ils sont vicieux avec ça. Mais je me suis toujours fait avoir là-dessus, hein. C'est pas méchant en soi-même, mais voilà quoi. C'est... Non, la boussole. C'est des petits détours, je vois, tu vas venir de trois écrans arrière. C'était pareil dans la tour des rats de Link to the Past, à chaque fois que tu devais revenir en arrière car t'oubliais de remettre le switch à l'endroit. Ouais voilà, enfin, et bizarrement tu vois dans Link to the Past, quand j'ai fait la tour des rats la première fois, il est vraiment pas long du tout si tu fais uniquement les salles principales. Importantes, la grande clé et le reste. Je trouvais même moins long que les deux autres donjons. Quoi. Oui, les deux premiers. Elle est très courte. Ouais. Alors si je vais... Ah non, pas encore, on n'a pas la carte. Je pensais qu'on avait la carte. J'étais persuadé. Heureusement. T'avais récupéré la boussole. Ouais. C'est pour ça qu'on voit les coffres. Uniquement la boussole. Donc du coup, ici, on va pouvoir se recharger en poudre. C'est peut-être aussi pour ça que t'avais pas eu de problème de poudre la dernière fois. Ouais. Ben, la dernière fois, comme j'expliquais hors vidéo à Mich tout à l'heure, c'est que je m'étais pas donné la peine d'allumer les salles. C'est pour ça que j'en avais toujours. Alors que là... La petite c'est juste. Et donc, effectivement, c'est là où t'as dû affronter les deux masques. Ouais, voilà. Revenir en arrière. Ensuite, revenir en arrière pour récupérer la clé derrière. Et te faire avoir à chaque fois avec les interrupteurs que t'oublies d'activer. Ah. Ils sont vicieux, quand même. Carrément. Alors ces ennemis, maintenant, on les connaît, c'est pas un problème. Je crois qu'ils s'appellent les spikes. Les spikes. Bah, qui veut dire en fait les piques en français. Mais je suis pas sûr, mais il me semble. Possible. Moi, je connais pas très bien le nom des ennemis dans cet opus. Alors par ici, exemple, la dernière fois, on avait vu un petit
Une petite faute d'orthographe, enfin faute de machin. Alors c'est marqué, si les blocs se ressemblent, un nouveau chemin s'ouvrira. Mais en fait, ils ont remplacé le A par le E. Ils auraient dû mettre un A. Ce qu'ils auraient dû faire, si les blocs se rassemblent, un chemin s'ouvrira. Ce qui serait beaucoup plus logique. Effectivement, je pense pareil. Je pense que ressemble, enfin rassemble est plus juste que ressemble. Étant donné qu'ils se ressemblent déjà. Faut juste faire attention à la petite boule. Je crois que c'est un cœur ou un demi-cœur qui nous font perdre. Je crois que c'est un demi-cœur. C'est pas des ennemis qui sont si dangereux que ça encore. Non, non. Bah, ils sont esquivables assez facilement quand on a la plume, quoi. On retrouve les grottes façon Adventure Ouais, Film, tu voilà. m'en doutais. Alors, ici. On va quand même allumer, quoique. Cette fois, tu peux te permettre, mais une fois de Ouais. plus, je crois que c'est pas obligatoire d'allumer les torches. Ah non, c'est pas. Au moins une seule. Une seule, c'est suffisant, en fait, pour voir un peu clair. Alors là, par contre, je vais faire attention. Parce qu'il fait perdre beaucoup de cœurs, surtout s'il nous balance. Lui fait perdre des cœurs, je confirme. Ah ouais. Mais surtout s'il nous balance. Ah là, il m'a rien fait. Non, étonnant. Habituellement, il. Ce qui se passe, c'est que souvent, très souvent même, ils foncent sur nous, ils nous chopent et ils nous balancent Dans un des trous, dans des un des fissures. trous, Une des fissures, ouais. une des À fissures, savoir. là. Ouais, cet ennemi, en fait, c'est un ennemi qui revient souvent dans la saga, c'est les Inox, qui sont les cyclopes qui jettent des bombes. Leur première apparition était aussi dans Link to the Past, on les retrouve dans plein d'épisodes par la suite. Ouais. Sauf que là, ils l'ont présenté en guise de mini-boss. Alors, ah tiens, j'ai utilisé la poudre sans faire exprès, ça a one-shoté la chauve-souris. Je savais pas qu'on pouvait buter les chauves-souris avec la poudre. Bah, généralement, les ennemis brûlent. C'est rare que ça Ouais. les tue comme ça, ouais. Ou alors peut-être que ça l'a brûlé et il a disparu vite fait. C'est possible. Donc du coup, la fameuse énigme, je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo d'avant, on avait fait. Où On on l'avait était cité, mais arrivé dans ce donjon sans le faire. on l'avait cité, mais on l'avait pas Ouais. détaillé. La fameuse énigme en question. D'abord un lapin et en dernier un spectre. L'énigme sûrement la plus compliquée du jeu en fait. Oui, clairement. Ouais, clairement. Celle où je pense que le plus de joueurs sont restés bloqués, c'était celle-ci. Parce qu'en fait, je crois qu'on avait expliqué vite fait, mais en fait le détail c'est que l'énigme en question qu'on a là, elle est pas dans la pièce après, elle est dans une pièce beaucoup plus loin. Et on a vite fait de l'oublier en fait cette énigme. Parce Exactement. qu'elle est tellement énigmatique que sur le coup ça nous parle pas du tout. Bah, quand on voit ça, on peut à peu près Ouais. deviner de quoi il veut parler, mais au moment où on y arrive, généralement on l'oublie. Bah on devine que c'est le nom des ennemis, mais. C'est pas D'abord un clair. lapin et en dernier un spectre, c'est un peu spécial, on va dire. Donc à l'époque, je sais pas si j'avais vraiment tilté que c'était le nom des ennemis. Je sais plus, mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est la seule énigme de tout le jeu qui demande de faire quelque chose de précis dans un écran. Ouais. C'est pour ça que c'est, je pense, une des énigmes, pas la plus dure, mais la plus tordue du jeu, ça c'est clair. On va faire un tour sur la carte. Voilà, donc là maintenant qu'on a la carte, on peut voir qu'effectivement le donjon a la forme d'une jarre en fait. Une Voilà, jarre ou d'une comme on en bouteille. voit dans le niveau. Ouais, que t'avais dit dans l'épisode qui a foiré d'avant que ça ressemblait plus à une bouteille qu'à une jarre, je crois. Enfin, ça a plus la Oui, forme d'une. Quoique. ça fait. Non, moi je vois une jarre, mais j'avais dit que c'était plus vu de profil par rapport aux jarres du niveau. Donc là Enfin, du ça coup, ressemble aux jarres ouais. qui sont là. On a une clé, on va d'abord prendre le conduit de ce coffre à 20 rubis. Toujours ça. Toute façon, là, t'as pas le choix, t'es obligé d'aller à gauche. Ouais, bah oui, puisque de toute façon je peux pas soulever les jarres, donc forcément. À la force de tes bras. Alors là, ces ennemis, les. Ah! Qu'on retrouvait dans Mario, pareil, hein, c'est. Exactement, les boues. Les boues qui sont invincibles en fait quand on les a comme ça. Par contre là je vais recommencer parce que je suis plus. Fais attention avec tes vies quand même. Ouais, pour ça que j'ai préféré commencer. Un coup, hop. Et là c'est bon. Bah, c'est vrai que je parle beaucoup, mais enfin, j'ai tendance à parler, mais forcément je joue plus des masses et je me fais avoir, hein, on va dire. Tu as trouvé le bracelet, génial. Tu peux soulever des jarres et des pierres.
Le bracelet qui a un Ouais. item tout droit venu de Zelda 1 qui permettait de pousser des blocs, sauf que cette fois il permet pas de pousser mais carrément de soulever. Ouais. Alors quand on assigne le bracelet de force, on n'a plus le texte habituel, mais dès qu'on l'enlève, alors je sais pas si ça revient. Ah si, Je voilà. crois. Oui, ça revient. Ça revient. C'est le seul truc qui est gênant, c'est que le texte revient. Enfin bon. C'est vrai que c'est gênant parce que ça revient, c'est rébarbatif en fait. C'est comme pour les bottes avec les cristaux, le texte revient sans arrêt. Alors du coup. Ah ouais, ok, je viens de l'activer. Et C'est du coup, le cool. détail, c'est qu'on réalise que le bracelet, c'est comme pour le bouclier. C'est la première fois dans un Zelda où il faut équiper directement l'objet pour pouvoir l'utiliser. Ouais. Mais dans Link's Awakening, ouais, t'avais pas besoin d'assigner. Enfin, si, t'avais besoin d'assigner. Enfin, pas Link's Awakening, A Link to the Past, je veux dire. Justement, t'avais les gants de force et c'était automatique comme pour le bracelet de force dans Zelda 1. Parce que cette fois, il faut vraiment équiper l'objet. Tu te fais à chaque fois avoir avec les interrupteurs. Mais difficile de mémoriser, si tu le connais Oui. pas par cœur, c'est. C'est vrai. Alors celui-là, par contre. Et puis c'est fait exprès pour que tu fasses des 2-3 allers-retours. Oui, voilà. Après, c'est pas non plus des allers-retours conséquents, mais voilà quoi. C'est toujours un peu gênant. Alors, du coup, on n'a plus de clé. Ah si, on en avait. Mais On t'as encore avait une, besoin d'une mais clé. voilà. On a la pièce du banc en question. Avec trois ennemis, ça nous rappelle. On a bel et bien un spectre, un lapin et puis on a une chauve-souris. Alors forcément, si je fais pas dans le bon ordre, Bah, tu là n'auras il pas faut droit vraiment. à... Tu ne pourras pas résoudre l'énigme. À savoir que le lapin vient du premier Zelda sur la Nintendo, Et qui s'appelait Paul Boyce. le lapin ne peut pas se buter à l'épée. Non. Il faut absolument le bracelet de force. Et on voit que rien ne se passe. Parce qu'en fait, ce qui est assez relou, si on veut, c'est qu'il n'y a rien qui indique qu'on a quelque chose de particulier dans la pièce d'avant. Non, c'est pour ça qu'il faut se souvenir Ouais. de l'énigme qui a été dit beaucoup plus tôt dans le donjon. Alors d'abord un lapin et en dernier un spectre. Alors, le spectre il est toujours où il faut pas en fait. Oui, Il fait c'est exprès pour ça qu'en de. fait, c'est pour ça que c'est dur, c'est parce qu'on a tendance à tuer les ennemis par erreur avant le lapin. Alors j'ai tué le lapin en premier et le spectre en dernier. Comme ça fait apparaître le coffre. Il contient en plus la clé du boss, donc c'était quand même relativement important. C'est même pas que Oui. relatif en plus, hein, c'est. Celle-ci, elle est pas juste optionnelle, elle est vraiment Ouais. obligatoire. Très très obligatoire, on va dire. Ça peut arriver que des clés soient optionnelles, mais généralement pas les clés du boss. Alors, un lapin. On va se cacher. Donc évidemment, l'énigme ne marche que pour une pièce, ici, il Ouais. n'y aura plus besoin Ici, il n'y de aura rien du répéter. tout. Hein, c'est. Enfin, si, il y a une petite énigme quand même. C'est. Il faut quand même buter les deux lapins pour faire apparaître C'est vrai. la sortie. Alors, je sais pas s'il y a des cœurs parce que j'en ai plus beaucoup En là. bas à gauche, il me semble. Il y a une fée en bas à gauche. Je suis pas sûr, mais il me semble-t-il. Ah non. Ah tiens. Ah si, une fée. Voilà. T'avais raison, Je mais sais c'était que. pas complètement. Enfin, c'était en bas à gauche si on veut, mais c'était pas peut-être dans la jarre où tu pensais. Non, je pensais bien à celle en bas à gauche. Donc, Ah mais ouais. je sais qu'il y avait une fée qui se baladait sur les jarres du bas, ça c'est clair. Il y en a toujours une. Donc du coup, ah, les fameux trucs, il faut le poids de Link pour Qui passer. descendent sous notre poids. Alors là par contre, d'ailleurs je devrais pas prendre la jarre tout de suite pour montrer quoi que c'est. Parce que celui-là en fait il va pas descendre comme ça. Il est résistant on va dire. Plus Ouais, même il de. fait la gueule, hein. Ouais. Une bouille pas sympathique du tout. Là il tire toujours la gueule mais. Voilà. Mais il ne fait plus le poids, on peut dire. Voilà. Il fait plus trop le poids. Et donc, bah du Alors, coup, t'arrives gentiment au boss. oh oui, mine de rien. Sachant que dans l'épisode d'avant, j'étais mort sur le boss en fait. Ouais, parce que Quand t'avais même. voulu présenter le principe du boss et pendant ce temps-là, il t'avait attaqué. Ouais, mais c'est dur d'expliquer en même temps que on joue. À la rigueur, là, je pourrais expliquer. Donc, hi, attends un peu que je m'occupe de toi. Hi, donc, c'est un génie, hein, parce que d'où le fait que c'est le nom la grotte du génie. Exactement.
Et là, forcément, en fait, ce qui va se passer, c'est que le génie est invincible tant qu'il aura sa jarre. Il va falloir casser sa jarre. Et pour casser la jarre, il va falloir la soulever. Là, d'abord, je crois d'abord qu'il faut donner un coup d'épée avant de pouvoir soulever la jarre. Ouais. Paralysé. Alors, nanana, tu ne mourras pas tant que j'aurai ma jarre. Et en plus, il te nargue, ouais. Nargue bien. Comme je disais, premier constat, c'est aussi la première fois dans un Zelda que les boss parlent et s'adressent à Link directement. Ce qui leur donne une certaine personnalité. Dans n'importe quel autre Zelda, il aurait rien dit en fait. Ah ouais. Bah c'est vrai que c'était ce qui donnait le charme à ce jeu aussi, ce que les boss pouvaient parler. Alors certains ne font juste que comme le premier boss qu'on avait eu. Un gré, un gros. Ouais voilà, quoi, c'est tout. Il parlait pas vraiment. Celui-là, il parle. Là forcément. Ah oui, il fallait que je prenne la bouteille. Donc tu vois, le boss il parle bien de bouteille finalement. Il dit qu'il est dans une bouteille. Donc la bottle cave n'est pas faux finalement. Ouais. Bah c'est bizarre parce que habituellement on se dit que les génies sont plus dans des jars que dans des bouteilles quoi. Ça généralement ils sont plutôt dans des lampes même. Ouais, des lampes, même, ouais. Finalement je sais pas si c'est des yeux, on dirait qu'il y a des yeux autour de sa jarre. Ouais. Et ouais, on voit qu'il faut trop. Il faut la lancer plusieurs fois, chaque fois contre le mur, et le boss répète son dialogue à chaque fois. Ouais, donc là on vient de casser sa jarre, forcément il est pas content du tout. Ouh, il est furax même. Ouais. Et là je constate un bug, parce que de l'émulateur, normalement le génie on le voit double, on le voit tournicoté avant d'apparaître au centre, et sur la version émulateur on voit qu'il bouge bizarrement. Bah en fait, ça clignote, mais on voit quand même qu'il est double, mais normalement ça doit pas clignoter quoi. Voilà. C'est ça que... C'est dû à l'émulateur, et je crois que je t'avais expliqué l'autre fois que même des fois, on ne voit qu'un seul génie. Ou alors c'est dans la capture qu'on voit qu'un seul génie. Bah moi en tout cas, j'en voyais qu'un seul, qui bougeait bizarrement. Ouais, ouais. Moi j'en voyais deux, là. D'accord, non, alors moi j'en voyais qu'un, tu vois. Ouais, ouais. Donc on verra le résultat sur la vidéo. Je pense que dans la capture, on verra qu'un seul. Voilà, au moins les gens seront prévenus, quoi, s'ils ont le même bug. Deuxième instrument. Tu as la conque de l'écume. Sympa comme nom. Oui. J'aime bien. Ben, ça va bien avec l'ambiance du jeu, hein, poétique, voilà quoi, c'est... Et avec sa musique, j'en suis conquis. Moi aussi. Prairie, elle t'attend. Elle m'attend. Et on remarque que les instruments sont très basés sur des coquillages, des choses qui rappellent la plage, l'océan. C'est vrai. J'avais jamais fait trop gaffe à ça, mais maintenant que tu le dis, effectivement. Alors du coup, le dernier coffre qui nous reste, on va pouvoir le prendre. Moi, je fais pareil, généralement, je finissais le donjon, après je venais récupérer ce coffre. Je sais pas si j'avais expliqué, d'ailleurs, dans le premier donjon, que Link's Awakening, c'est la première fois qu'on a des téléporteurs aussi. Je crois. Non, enfin, il y en a dans Link to the Past, mais ils servent généralement juste à aller dans des caves au fait. Ah oui, enfin, mais c'est pas vraiment comme ça, quoi. C'est pas des téléporteurs qui... Ici, ça fait plus guise de checkpoint pour revenir à un autre endroit. Donc oui, c'est la première fois qu'il y a des téléporteurs, je confirme. Enfin, j'avais pas vraiment totalement raison, parce que, effectivement, comme tu disais, c'est pas tout à fait la première fois qu'il y a des téléporteurs, mais c'est la première fois qu'il y a des téléporteurs qui servent de checkpoint, si on veut. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est un truc qui reviendra très souvent sur les épisodes 2D. Ouais, voilà. Bon, ben, du coup, ça s'est bien passé. J'ai pas fait de mort dans cet épisode, dommage d'ailleurs. Parce qu'envie de dire dommage. Bon, t'en avais déjà fait dans le premier, ça allait. Voilà. De toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est foutu pour le bonus de fin. Bref. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, Mich et moi, on vous dit à la prochaine. À tout bientôt, merci. Ciao.